Et yo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau guide éclair qui va passer en revue tout ce qu'il y a à savoir sur Shiori, en passant par ses statistiques, ses armes, ses artefacts, ses aptitudes, les personnages que l'on peut jouer dans sa team, et enfin ses constellations. Concernant les armes viables pour Shiori, pour les 5 étoiles, vous pouvez opter pour son arme signature, Uraku Misugiri, le coupeur de jade, la lumière d'incision foliaire ou encore la splendeur des eaux calmes. Pour les 4 et 3 étoiles, vous pouvez également choisir entre eux, le fuseau de cinabre, le croc de loup, le messager de l'aube ou encore le croc suppurant. Je précise d'ailleurs que le fuseau de cinabre est meilleur que la totalité des armes 5 étoiles à part sa signature. Au niveau des artefacts, vous avez deux options dominantes parmi les 4 pièces. En premier, vous pouvez vous diriger vers le 4 pièces troupe dorée. Le set augmente les dégâts de la compétence qui est en totale adéquation avec le gameplay de Shiori. Autrement, vous pouvez aussi opter pour un 4 pièces coquille des rêves opulents, il sera d'ailleurs plus efficace si vous jouez votre Shiori sur le terrain. En ce qui concerne les deux pièces, le 2 pièces troupe dorée, le 2 pièces coquille, le 2 pièces Léo ainsi que les 2 pièces attaque fonctionnent sur elle. Concernant les stats que vous allez devoir chercher sur vos artefacts, Shiori aura principalement besoin de 3 statistiques, du taux critique, du dégât critique et de la défense. Vous pouvez aussi avoir un peu d'attaque pour cent, mais ça n'est pas sa priorité. Au niveau des stats principales, ce sera un sablier dev pour cent, une coupe bonus dégâts géo ou éventuellement dev pour cent, et un masque taux critique ou dégâts critique. Pour les stats à atteindre, je vais évoquer deux modes, un très bon mode, relativement accessible, et un mode parfait nécessitant les meilleurs artefacts possibles. Pour son premier mode, ayez au moins 1700 de défense, plus de 70% de taux critique et plus de 140% de dégâts critiques. Pour son mode parfait, vous pouvez atteindre plus de 2000 de défense, au moins 80% de taux critique et plus de 220% de dégâts critiques. Désormais, venons-en au niveau et à l'ordre de ses aptitudes à monter. Shiori se base principalement sur les dégâts de sa compétence. Il faut donc améliorer son aptitude au niveau 9 ou la couronner si vous voulez le plus de dégâts possible. Pour ce qui est de son déchaînement, vous pouvez augmenter également, mais il n'est pas essentiel à son DPS. Quant à son attaque, il sera utile de l'augmenter uniquement si vous projetez de la jouer en DPS sur le terrain, sans quoi elle ne sera inutile. À propos des personnages que vous pouvez jouer avec Shiori, la liste est presque infinie. Shiori étant un seul DPS très simple à faire fonctionner, vous pourrez la jouer à peu près où vous le voulez. Cependant, dans l'idéal, pour que Shiori puisse entièrement tirer parti de ses dégâts, il vous faudra un deuxième personnage Géo capable de créer des constructions. Parmi eux figurent Ito, Ningguang, Albedo, le voyageur Géo ou encore Zhongli. Plus largement, Zhongli est le partenaire idéal de Shiori. Il permet de déclencher la résonance Géo, ajoute une construction et ne demande aucun temps de terrain, tout comme elle. Avec ce duo, vous pouvez donc jouer ce que bon vous semble comme DPS pour les accompagner. Pour conclure cette vidéo, nous allons parler des constellations, commençant par la C0 et en allant jusqu'à la C6. Concernant Shiori en C0, elle est extrêmement polyvalente et profite très bien des synergies avec les autres personnages Géo. Le personnage est déclinable dans de nombreuses teams et peut même se jouer en DPS. Cependant, son mode DPS demande un gros investissement avec une team précise pour qu'elle puisse infliger de suffisants dégâts. Le personnage n'est pas complètement unique ayant un gameplay très similaire à celui d'Albedo, mais réussit à trouver sa singularité dans certains aspects. Sa compétence n'est même pas une construction géo, ce qui empêche de se faire gêner par un boss, et elle possède une mécanique unique permettant de changer de personnage automatiquement. Ce dernier point est d'ailleurs ce qui la rend plus agréable à jouer, utile même en exploration où vous pouvez changer de personnage dans les airs. La C1 permet à Shiori d'obtenir une deuxième poupée suite à sa compétence sans avoir besoin de construction géo dans la team. C'est une excellente constellation lui permettant de doubler ses dégâts dans l'entièreté des teams où vous n'aviez pas de constructeur géo, et c'est aussi une amélioration pour ces mêmes teams puisque la portée des poupées est augmentée de 50%. Il est donc d'autant plus simple de jouer Shiori. La C2 accorde à Shiori une poupée après l'utilisation de son déchaînement. Cette poupée infligera des dégâts toutes les 3 secondes pendant 10 secondes, infligeant 170% des dégâts de base. C'est une excellente constellation renforçant l'utilité du déchaînement et améliorant la condition de Shiori en tant que DPS. La C3 sera 3 niveaux supplémentaires sur la compétence, ce qui est très puissant. La C4 accorde à Shiori pendant 8 secondes une troisième plus petite poupée suite au passif de sa compétence. Cette poupée n'apparaîtra que suite à une attaque normale, chargée ou plongeante et infligera une attaque avant de disparaître. Vous pouvez ainsi avoir 3 attaques supplémentaires avec un délai total de 15 secondes. Encore une fois, une très bonne constellation qui renforce à la fois le DPS d'une Shiori on-field ou off-field. La C5 sera 3 niveaux supplémentaires sur le déchaînement, ce qui est plutôt fort suite aux autres constellations. Et enfin, la C6 permet à Shiori de réduire de 12 secondes le cooldown de sa compétence, en plus de gagner un scaling death de 235% de sa défense sur ses attaques. Cette constellation rend Shiori DPS complètement broken, permettant de maintenir son infusion en permanence et d'infliger de très importants dégâts. En conclusion, les constellations de Shiori sont toutes de bonnes constellations, que ce soit à faible ou haut investissement. Les constellations renforcent aussi bien le mode DPS que le mode sub-DPS, et donc la rend au fur et à mesure l'un des personnages les plus flexibles qu'il soit. Et voilà, c'est déjà tout concernant ce guide éclair sur Shiori. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un like et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. A plus.